nous vous invitons et nous vous conjurons que sans le travail, vous n'avez pas votre place au sein de la société. Mettez-vous sérieusement au travail, comme stipule l'hymne des lycéens. Travaillons sans trêve, les yeux pleins de rayons, portant un grand rêve. Au seuil de ta glorieux, le fond dans les cieux, face au soleil, nos aïeux ont changé leur vie pour être tous comme efforts. Nous doublerons leurs efforts. On s'insurera pour toi, patrie. Lycéens, travaillons, travaillons sans trêve, les yeux pleins de rayons, portant un grand rêve. Pour élève, nous c'est avenir pays. Prends l'école là en main. Sans éducation, pas qu'à gagner un bon développement. Même genre, sans agriculture, pas qu'à gagner un bon développement. Conseil-moi pour nous, Anessa, pas de pi bon bagay parents nous te kabanou fait nous camper là jodi a en nous prendre ça y a ba nous hein yo pa ka ba nous plus que ça en prendre au sérieux c'est ça y a quitté pour nous et c'est ça tout cap yon réussite pour pays a. C'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espoir que je m'adresse à vous ce matin au nom du ministre de l'Éducation nationale et du directeur départemental d'éducation de l'Ouest, à l'occasion de cette rentrée scolaire 2024-2025. Cet événement représente un moment clé dans la vie sociale, politique, économique et culturelle du pays. Comme chaque année, tous les acteurs sont mobilisés en vue d'affronter les nouveaux défis dans un contexte d'instabilité politique qui affecte tous les secteurs de notre société. Il n'est un secret pour personne que notre pays traverse l'une des crises la plus grave de son histoire depuis quelque temps. Nous assistons à la déchéance des institutions socles de la société. Il revient à l'école de jeter les bases de la refondation de la nation haïtienne. Pour atteindre cet objectif, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a choisi comme guide de sa gestion le thème « Restaurer l'autorité de l'école ». Pourquoi ce thème? Parce que l'école, en tant qu'institution, a toujours été et doit rester un des piliers fondamentaux de notre société. Elle n'est pas seulement le lieu où se transmettent des connaissances, mais également un espace où se forgent les valeurs morales, le respect, la discipline et l'éthique citoyenne. L'autorité de l'école, c'est ce qui garantit un cadre ordonné, propice à l'apprentissage et à la préparation des citoyens responsables de demain. Toutefois, au fil des années, nous avons constaté un affaiblissement progressif de cette autorité. L'indiscipline, l'irrespect et parfois même la violence ont gagné du terrain dans certains établissements, ce qui provoque des répercussions négatives, non seulement sur la qualité de l'enseignement, mais aussi sur le climat scolaire en général. Aujourd'hui, avec ce thème, nous affirmons collectivement notre volonté de redonner à l'école haïtienne sa place légitime dans la société, en tant qu'institution respectée et respectueuse. Restaurer l'autorité de l'école, c'est rétablir un cadre où chaque acteur, élève, enseignant, parent, autorité locale, connaît et assume ses responsabilités. Chers élèves, l'école est votre lieu d'épanouissement,
de croissance et d'apprentissage. Mais elle est aussi un espace où les règles doivent être respectées. Ces règles ne sont pas là pour vous contraindre, mais pour vous guider, pour vous apprendre à vivre en société et à respecter les autres. Je vous invite à appliquer une attitude de respect et de discipline, car ces valeurs vous serviront toute votre vie. Chers enseignants, vous êtes les piliers de cette restauration de l'autorité. Votre rôle va bien au-delà de la transmission de savoir. Vous êtes les modèles et les guides de nos jeunes. L'exigence, la rigueur et l'exemplarité que vous inculquerez à vos élèves sont indispensables pour restaurer la confiance en l'institution scolaire. Nous vous encourageons à continuer d'exercer avec passion et engagement cette noble mission. Vous, parents et membres de la communauté, votre rôle dans cette démarche est crucial. L'éducation commence à la maison et se poursuit à l'école. L'autorité de l'école ne peut être restaurée sans votre implication active. Nous vous demandons de soutenir les enseignants et de collaborer avec eux pour le bien-être et la réussite de vos enfants.